qui lui-même te souhaitait faire une intervention. Oui, téléphone maître Georges qui a sonné. Allô? Allô? Oui, maître Georges, bonjour. Oui, ça y est, balarette. Ça crée de gosse, ça. Mon cher, c'est comme si nous avions craché sous arrêt de votre pays. Et préval, je ne peux pas ici pour pouvoir. Là, ça a été fait, c'est le préval de passer l'élection à 4-5% participation. Lucien va être avec Manuel Albrecht pour être reconnaître comme président d'Haïti. Et même préval, ça, non complot ensemble avec Aristide et le privé pour arriver à arrêter Guy Philippe, qui vient faire là. Moi, je suis pour la bagage, ça fait hier, montrer nous clair. Bah, au Kaila, c'est ton complot. Pour être tout le monde Guy Philippe, vous voulez aller. Et vous êtes toujours appris nous que Guy Philippe n'a pas participé de la présidence du tout, pas de la date. Maintenant, ça nous même nous, mon petit. Comment voulez-vous pour les États-Unis à parler de droits de l'homme, de démocratie, pour entrer dans le monde, ou non l'autre pays, alors, Haïti, il n'y a pas de faire ça, il n'y a pas de Russie, ni en Chine, mais même la Cuba, il n'y a pas de faire ça, non, il n'y a pas de faire. Parce que plus fort, vous avez dit que les pays sont bon sans honte, ou bon sans sentiment, ou bon monde, c'est pour voir seulement, ouais, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de Haïtien. Comment voulez-vous que, pour un homme, il a été le même avocat, le Bacarouel. Même mon papier n'est pas qu'à présenter, mais pour que ça vous reproche maintenant. Il n'y a pas de carrément comme dans un cabrit, marron, pas de cabrit, il y a des marrelles et puis il n'y a pas de marrelles. Bon, nous même pas ici, qui l'a pris de camper pour nous gommer contre nous ça. Ça m'a dit que je suis dans le cas là, en tant qu'avocat de Philippe, c'est que, à quoi ça a signé, c'est bon, ou encore, si dans la pratique, ça veut dire qu'on a encore une obligation et responsabilité pour les partis signataires. Si on a été fait, si on a encore l'éodé, on va écrire comme seul bord. Est-ce que nous-mêmes, nous allons arrêter aux Américains, aux États-Unis, pour nous visualiser ici? Au contraire, nous allons aller arrêter les Américains ici, consulter aller dans la présidentielle, et les Américains, nous allons arrêter les avocats, nous allons aller au moment où nous allons consulter les dans la ville où la caille. Moi-même, je me demande pour bagaille. Article 41, j'aime surtout dans le monde évoqué là, d'ailleurs, l'éclair est net. Vous ne pouvez pas contraindre au monde qui te paye, devoir être au monde, ça veut dire que c'est sous contrainte. Donc, nous-mêmes, nous tenons ce bagaille, ça y est. Et, soit cela, moi, je dis notre bagaille, oui. Même si vous tenez privé, d'où la paille pour voir le 7 février, je fais réunion contre Jovenel, et Renaud Joël Captissa. Il a fait pression sur le juge pour mettre mandat jusqu'à présent contre Jovenel pour faire blanchiment, qui blanchiment m'a connu. Donc, de toute façon, précédent, non, il est arrêté, il veut arrêter l'autre élu encore. Parce qu'il y a même eu 50 000 travail sur Jovenel et pouvoir. Et moi-même, si on veut faire ça, je vais donner un breton pays encore. Non, mais. Moi-même, oui. Normalement, dans le cas de Guy Philippe, par exemple, qui s'attaque. Ça t'a qu'un pouvoir avec le président Jocelyne Privert, puisque son mandat international nous apprend que BLTS est exécuté, donc un mandat qui était là depuis plusieurs années. Mon frère, Mabdou Bagay, à quoi ça que si un qui bagay la dernière, j'ai été de sous tout l'état de la bataille, comme je vous le dis déjà, bagay a fait de l'une pour haïtien, vous voyez, allez. J'ai fini tout. C'est une opportunité pour la cause à dénoncer pour le Parlement qui s'est assuré à ni les malvoyants. Excusez-moi l'expression. Maintenant, et ce qu'on a fait en dehors des constitutions, il y a aussi des choses qui expliquent ça là, et que si le Parlement est vrai, le Parlement ne peut pas ici en 12 ans, matin, il y a un Parlement. Parce que maintenant, en vérité, ça va me dire, pas que je me dis au Parlement encore, parce que maintenant, plus le monde qui croit blanc pour Jésus-Christ. Blanc, pas Jésus-Christ, pas Jésus-Christ. S'il était Jésus-Christ, il t'a compté pour pas venir à la carrière, il fait des autres là, il va la faire. Et là, tu vas le tenter au capitaine, Fidel Castro te dit, nous, papa, il est devenu de l'eau, allez. C'est parce que vous êtes au bon moment, sans sentiment ici. Puis jamais il t'a arrêté, tout
bagages à eux. Bon, regardez, comment voulez-vous pour une police nationale dans le cerveau de pays arrêter un citoyen à Kaili, hein, n'est pas citoyen, pas besoin de consulter les batteries, n'est pas citoyen. Et puis vous prenez, vous remettez, même, bah, vous payez, même juste des Indiens, ça va être qu'on fait. Et si vous êtes pour mal, vous êtes calé pour tout le monde. Ok, donc moi-même, je dis que, bah, ça, soit à fond, on évite à son tout à l'issue dans quelconque, quelque chose à vous ça. Nous-mêmes, nous demandons la vie de Philippe sans condition, et ensuite, bagaille était capable, si ça existait. Oui, moi, j'ai dit Philippe, il prescrit. Donc, combien que le prescrit sont tout en droit. Je ne vais pas poursuivre après un certain temps. Donc. De qui sont parlés, M. George? On parle de qui Philippe? Oui, non, de qui ça? De qui? Infraction. Je ne connais pas l'infraction. Ah, ok. Mais je connais après 10 ans. On connaît que ça va être. Et moi-même, c'est capable de vous citer tout pour qui Philippe? Parce que, moi-même, je crois qu'il y a blagué. Vous avez signé un gouvernement américain qui vous fait des millions de dollars pour entrer dans le pays avec tout l'argent dans le compte en banque. Moi-même, je crois que son appui avec Guy Philippe, c'est parce que ni Aristide, ni Privé, ni Préval, mais tant qu'ils ensemble pour humilier tout le peuple haïtien. Et voilà pourquoi vous ne pas me voter la balance encore. Voilà pourquoi Privé, lui-même, dit que vous ne pouvez pas répondre devant qui de droit. Et ni monsieur que les brevets là, tout qu'après t'as fait toute la journée, toute la nuit. Et comme avocat, bon, papa, il y a une action qui a fait là, hein? Voilà, même deux bras nous marrer. Il va de juridiction nous encore. Deux bras nous marrer. Mais chaque pays doit l'abri nous. Même avocat, le bacarouel, le bacarouel, ou papier. Et puis, moi, je vois que des policiers, dans les États-Unis, sont au content. Sous visage, j'ai un qui même arrogant. J'ai un qui même arrogant. Alors, il n'y a pas qu'on est que demain, on a pris une tour pour le niveau de la vie de Guadou. Et si, depuis le temps, il était fou et sénestère, tout le pays a donné le café, c'est pas que je suis fou et sénestère, c'est le président du Sénat, pour voir ça, pas suspendre ce qu'on a fait hier. Nous qui sommes tribunal, nous qui sommes juges, nous qui sommes avocats, nous qui sommes juges, nous qui sommes c'est pas 150 en prison, qu'elle prenne 150 en prison. Mais pas question de même pour un privé, vous allez aller, vous allez aller à l'issue. Je ne pas d'accord. Merci. D'accord. Merci un peu, M. George. Bon. Et. C'est compliqué là. Grégory, avant nous aller se joindre le sénateur Sorel Jacinthe, qui est appelé Elena, bon, allez, invitez Mounio, tendez, au partage ça, que Marc Gerson, Félicitain. Bonjour. Ah bien, bonjour, bien. Descendre volume et radio qui est bon contrôle là, Chamètre. D'accord, je crois que c'est fait. Oui, oui. Bonjour. Bonjour à tout auditeur, auditrice de Radio Caraïbe FM. Écoutez, il y a un concept pour nous retourner sur lui, parce qu'il n'est pas trop, il n'est pas un refrain de trop. C'est le concept de l'état de droit. Dans l'état de droit, il y a un ensemble de piliers, et pareil, au même nom, je l'ai cité matin, puisque n'a très bref. Nous avons une question état de droit que nous avons construit. Gagnons deux piliers parmi piliers qui sont très importants. C'est ça le principe du prominé. Nous avons dit des fois, et dans tout principe que nous gagnons, dans toute norme que nous gagnons, dans toute loi que nous gagnons, gagnons qui en les net. Le principe, notamment de la hiérarchie des normes, ou bien le principe, n'est-ce pas, de la norme supérieure. Quel soit tout ça qu'on dit là. Alors, ça, c'est un principe, et l'autre principe là, c'est le principe, nous avons dit, le grand gardien, n'est-ce pas, de l'état de droit, qui est le pouvoir juridictionnel. OK. Dans le principe du prominé, dans le principe de la norme supérieure, c'est vrai que dans la ratification des traités, dans la ratification des accords, bon, c'est pas le seul pays, et les grands États aussi, ils ont compte gagner peut-être des erreurs qui glissaient en texte, procédure d'adoption et de ratification. Il est vrai que dans le cas de Madeleine Albright et de l'ancien président René Préval, texte-là, n'est pas dans élaboration, n'est dans nature, n'est pas même déjà avec n'importe quel autre traité,
en forme solennelle que les États gagnent pour ratifier. Mais le principe de la norme supérieure, l'IT est censé résoudre le problème. Non. La Constitution est au-dessus du traité. Tandis que la loi ordinaire est en dessous du traité. Et là, on appelle dans l'article 176-2, 176-3 de la Constitution, c'est une lecture intelligente pour l'IE, parce que là, nous sommes censés appeler entre les lignes. Le traité doit être ratifié conformément à la Constitution. Donc, c'est que le traité est en dessous de la Constitution. Tandis que nous, le traité, une fois ratifié dans les formes que la Constitution en prévoit, qu'on y a là, Livine fait partie, n'est-ce pas, de loi de législation nationale. Non. Donc, ce qui veut dire l'enabli de haut en bas, absolument une norme qui est supérieure pour nous arriver en bas net, même si nous ne pouvons pas arriver dans tout, puisque décret tout, mais c'est pour nous dire d'abord la Constitution qui est au-dessus de toute autre norme, et ensuite pour nous prendre le traité, ensuite pour nous prendre la loi ordinaire. Donc, ce qui veut dire que lorsque la Constitution, en son article 41, que me fait confiance que ou sauter qui dit là par d'autres intervenants. Oui, Hélène prend l'article, les articles 176-2, 176-3 de la Constitution, les résout le problème non parce que lorsque dans l'autre texte qui t'a département, en utilisant vos ça pour tout le monde, l'état département avec sa Constitution dit, eh bien texte constitutionnel, là, il gagne le dessus par rapport aux autres textes. C'est ça à nous enseigner, c'est ça qui est consacré par la loi mère, le texte qui est au-dessus de tout autre texte, n'est-ce pas, normatif. Donc, constitution résout le problème. Là, le principe de la norme supérieure, le principe de la supériorité constitutionnelle, licencié te résoudre le problème. Là. Ça veut dire... Oui, allô? Oui, nous là. Oui, ça veut dire que une fois que texte, le problème c'est quoi? C'est le problème quand nous érigeons des principes, nous établissons des principes, faut nous apprendre à vivre avec eux. Parce que si c'est pas ça, là n'a pas parlé de l'état de droit. C'est nous chaque capteur peut-être non. Donc dans la construction de l'état de droit, le principe de la supériorité constitutionnelle lui résout le problème non. Même si nous bral dit pas qu'on gagne le conseil ou cour constitutionnel, oui, mais le texte a consacré le principe, mes amis, il est temps que nous apprenions à vivre avec nos institutions. Et pas j'en prend espace là pour me traiter aucune autre question, puisque j'ai acté dans le débat. Mais autant qu'on t'a voulu le guerrier du seul, puisque il y a eu une intervention hier, et vous comprenez ça, nous n'avons qu'à chaque fois réagir. Mais si le confrère l'admet, je lui demande un débat public dans l'espace-là sur le dossier de Wilfried Gélin. Si toutefois que, par un certain orgueil humain, par, t'as même dit, une manifestation de colère, c'est puis à partir d'un décidé matin, il dit, bon, maintenant, après tout, eh bien, je publie les résultats définitifs de Wilfried Gélin. Je ne vais pas faire commentaire sur ça, puisque ce n'est pas l'objet de votre émission, je dois respecter l'espace. Mais je demande à l'autre ami, au confrère, un débat public sur ce dossier, qui est purement un débat de droit. Je vous dis merci. Oui, d'accord. Merci un peu, cher maître. On va aller rapidement. Bon, c'est député Jacques Beauville. Député, bonjour. Bonjour, guerrier. Moi, je viens de me dire bonjour, Bob. Faut Bob dégager, vous venez de là. Oui. Bon, approche pas maintenant, mon frère. C'est pour nous dire bien. Et on parle pas, mais moi, je fais un coup d'air rétrospectif. Ça fait me songer. Ils ont arrêté tout ça. Ils ont transporté le Bounaïs. Ils ont transporté le Soulé Héro. Ils ont mis le fort de jour, ils mourent dans la condition qu'ils ont là. Et, je n'ai pas jamais de privilège pour nous faire Napoléon Bonaparte, qui est en Haïti, pour nous dire qu'il soit bon cabri, ou bien qu'il y a des disciplines dans ces deux. Ironie du sort, oui, à cette Hélène. Et bien, je vous dis, nous toujours, sur l'état pompier, nous gagnons. L'état pompier, ça n'a pas bon. Chaque fois, nous avons un problème, c'est un truc net fou. Délégation pour aller au pot, délégation pour aller dans les CPJ, pour faire quoi. Je vous dis, moi-même, étant comme parlementaire secrétaire, qui j'ai un héritage, c'était pour expliquer des conventions, des accords, moi-même étant haïtien dans l'âme, pour
bral voter accord pour faire l'État ou bien dirigeant des États-Unis d'Amérique et pour satisfaire yo, pour bral voter des lois ou bien des accords pour arrêter Haïtien par exemple pour aller voter dans la prison des États-Unis. Donc, je ne dis pas,